Salut les brasseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai raccroché le tableau noir puisque j'ai envie de vous parler d'un paramètre très important qu'on a parfois tendance à un petit peu négliger lorsqu'on débute en brassage amateur. Il s'agit, vous l'aurez compris, de la température de fermentation. On va donc aborder dans cette vidéo quelques problématiques qui y sont liées. Je vais notamment vous présenter 4 erreurs à éviter concernant cette température de fermentation. Je vous donnerai quelques conseils sur comment bien choisir vos températures de fermentation. Et en fin de vidéo, je vous présenterai 3 méthodes pratiques que vous pouvez utiliser pour contrôler cette température pendant vos fermentations. On aura donc 3 budgets différents, une méthode à 0 euros, une méthode à 40 euros et une méthode à environ 100 euros. Allez, je vous dis à tout de suite après le générique. Alors ce sujet de la température de fermentation, je l'avais déjà abordé brièvement dans une vidéo qui s'intitule « Réussir vos premières fermentations » et que vous pouvez regarder en cliquant sur la vignette qui va s'afficher juste ici. Dans la suite de cette vidéo, j'utiliserai la notion d'atténuation. Vous pouvez donc regarder cette autre vidéo qui traite de la densité du moût et de l'atténuation si vous n'êtes pas familier avec cette notion. Et enfin, avant de commencer, je vais juste clarifier un point puisqu'on m'a déjà posé la question plusieurs fois. Lorsqu'on parle de température de fermentation, il s'agit bien de la température de votre milieu de fermentation, c'est-à-dire de la température de votre moût en train de fermenter. Il ne s'agit pas de la température ambiante ou de la température de l'air extérieur ou de quoi que ce soit d'autre. Voilà, ceci étant dit, je vais maintenant vous présenter 4 erreurs à éviter concernant cette température de fermentation. Alors la première erreur qu'on est parfois amené à commettre lorsqu'on débute en brassage amateur, ça va être pour nos premières fermentations, de ne pas vraiment se poser la question de la température de fermentation et de fermenter comme ça à température ambiante. Donc ça ne va pas forcément être un gros problème, ça va dépendre bien sûr de votre température ambiante. Néanmoins, ce que je vous conseille quand même de faire, même si vous n'avez pas vraiment de moyens de contrôler cette température de fermentation, ça va être de vérifier quel est l'intervalle de température conseillé pour la levure que vous utilisez. Donc ça, c'est une information qui est fournie normalement par tous les fabricants de levure. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de vérifier que votre température ambiante moyenne à laquelle va fermenter votre bière se trouve bien dans cet intervalle. Je vous conseille, lorsque vous ne connaissez pas bien une levure, de commencer par fermenter dans cet intervalle de température, mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'en sortir. Par la suite, vous pourrez ajuster vos températures et être amené à sortir de cet intervalle si ça vous chante. Donc si je vous conseille de fermenter au moins au début dans cet intervalle, c'est simplement parce que si vous procédez à une fermentation à une température qui est trop éloignée de cet intervalle de température conseillé, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Par exemple, si vous fermentez trop froid par rapport à cet intervalle, vous risquez d'avoir une fermentation qui n'arrive pas bien à son terme et donc une bière qui ne soit pas suffisamment atténuée. Inversement, si vous fermentez trop chaud par rapport à cet intervalle conseillé, vous risquez de faire produire à votre levure un certain nombre de composés indésirables qui vont ensuite se retrouver dans votre bière. Une deuxième erreur assez classique mais qu'il vaut mieux essayer d'éviter dans la mesure du possible, ça va être le fait d'inoculer votre moût alors que celui-ci est encore en train de refroidir. Le problème si vous faites ça, c'est que votre levure va rentrer en contact avec votre moût alors qu'il se trouve à une température supérieure à la température à laquelle il va se stabiliser pour le reste de la fermentation. Ça signifie que vous prenez le risque que votre levure entame sa phase d'adaptation, également appelée phase de lag, puis sa phase de fermentation exponentielle à une température supérieure à la température à laquelle elle procédera à sa phase de fermentation stationnaire. Dans la vidéo intitulée « Réussir votre première fermentation », je vous expliquais que pendant la phase de fermentation exponentielle, la levure allait produire un certain nombre de composés indésirables dans votre bière qui seront ensuite réabsorbés pendant la phase de fermentation stationnaire. Le fait de procéder à cette phase de fermentation exponentielle à une température supérieure à celle de la phase de fermentation stationnaire va encourager une production plus importante par votre levure de ces composés indésirables pendant la phase exponentielle et une plus faible réabsorption de ces mêmes composés indésirables pendant la phase stationnaire. Ainsi, vous prenez le risque qu'un certain nombre de ces composés indésirables produits pendant la phase exponentielle ne soient pas totalement réabsorbés et restent donc dans votre bière. Voilà, et tant que j'y suis, j'en profite pour vous donner un autre petit conseil. Essayez dans la mesure du possible, lorsque vous inoculez votre moût, que votre levure se trouve à la même température que votre moût. Si vous avez une différence de température trop importante entre votre levure et votre moût lorsque vous les mettez en contact, vous risquez de faire subir un choc thermique à votre levure, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur la vitalité de votre levure, et donc aboutir par exemple à des atténuations trop faibles en fin de fermentation. Alors la troisième erreur à éviter à propos de ces températures de fermentation, ça va être le fait de laisser votre température de fermentation diminuer en fin de fermentation.
Lorsqu'on débute, on peut parfois être tenté de penser que la fermentation est terminée lorsqu'il n'y a plus de bulles de gaz carbonique qui s'échappent de notre barboteur. C'est faux. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo Réussir votre première fermentation, suite à la fermentation primaire qui va produire du gaz carbonique, là le levure va procéder à une phase de fermentation secondaire pendant laquelle il n'y a plus vraiment d'activité visible dans votre fermenteur. Cependant, il faut quand même continuer à maintenir une température de fermentation stable pendant cette deuxième partie de la fermentation. Alors néanmoins, si votre température de fermentation augmente pendant cette deuxième phase de la fermentation, c'est pas dramatique du moment qu'on reste dans un intervalle raisonnable. Par contre, là où vous risquez d'avoir des problèmes, c'est si votre température de fermentation diminue pendant cette phase de fermentation secondaire. Et cela pour la même raison que j'évoquais concernant l'erreur numéro 2, c'est-à-dire que si votre fermentation primaire se produit à une température supérieure à celle de votre fermentation secondaire, votre levure aura produit davantage de composés indésirables pendant la fermentation primaire qu'elle ne sera capable de réabsorber pendant la fermentation secondaire, et donc vous retrouverez une certaine quantité de ces composés indésirables dans votre bière. Et enfin, une dernière chose à éviter dans la mesure du possible, ça va être les fluctuations de votre température de fermentation. C'est notamment un phénomène qui se produit souvent si vous laissez votre bière fermenter sans contrôle actif de la température de fermentation dans un endroit qui va subir des variations de température entre le jour et la nuit. Dans ce cas-là, le risque que vous prenez, c'est que si les variations de température à la baisse sont trop importantes, ça risque de pousser votre levure en dormance et donc vous risquez d'obtenir une bière qui ne soit pas suffisamment atténuée en fin de fermentation. Ok, alors on va maintenant parler un petit peu de comment choisir votre température de fermentation lorsque vous travaillez avec une levure que vous ne connaissez pas. Alors tout d'abord, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, pour chaque type de levure que vous allez pouvoir acheter dans le commerce, vous allez avoir un intervalle de fermentation conseillé par le fabricant. Donc lorsque vous ne connaissez pas une levure, je vous conseille déjà de démarrer avec une température de fermentation dans cet intervalle. Ensuite, pour choisir une température dans cet intervalle sans connaître la levure en question, vous allez pouvoir vous baser sur ce qu'on connaît du comportement général de la levure de brasseur. Notamment, plus vous allez fermenter à une température élevée, plus cela va encourager votre levure à produire des esters, c'est-à-dire des arômes fruités, ainsi que des alcools complexes qui peuvent donner un caractère un petit peu lourd et écœurant à votre bière. Inversement, plus votre température de fermentation va être basse, plus vous allez obtenir un profil aromatique propre et net, c'est-à-dire que vous allez inhiber l'expression du caractère de la levure dans votre bière. Alors attention, ce que je viens de vous dire, ce sont des principes généraux. Chaque levure va avoir un comportement particulier et parfois vous allez être surpris de voir que certains types de levures ne réagissent pas comme on s'y attendrait d'après la règle générale. Tout ça pour vous dire que le seul moyen de faire un choix qui soit vraiment éclairé sur votre température de fermentation, et bien ça va être tout simplement d'expérimenter sur un très grand nombre de brassins en changeant à chaque fois quelques paramètres afin d'apprendre à bien connaître votre levure. Par conséquent, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous prendre la tête pour vos premiers brassins. Choisissez une température de fermentation de manière arbitraire au début et expérimentez autour de ça afin de trouver la température qui correspond vraiment à la bière que vous voulez brasser. Et ça, c'est un conseil qui va s'appliquer au processus de brassage en général. Lorsque vous essayez d'optimiser un paramètre par rapport à une bière en particulier que vous essayez de brasser, la seule manière d'avoir une réponse définitive, c'est d'expérimenter encore et encore, jusqu'à avoir une vision globale de l'influence que va avoir ce paramètre sur votre bière, afin de pouvoir faire un choix véritablement éclairé. Donc personnellement, ce que je fais quand je commence à travailler avec une levure que je ne connais pas, c'est que je commence par la faire fermenter à une température arbitraire, par exemple 20 degrés pour une levure de type ale, et ensuite pour les fermentations suivantes, j'ajuste la température en fonction du résultat et de ce que j'essaye d'obtenir pour la bière que j'essaye de brasser. Donc si je veux que la levure s'exprime davantage dans la bière, je vais avoir tendance à augmenter la température de fermentation, et si je veux que la levure se fasse plus discrète, je vais avoir tendance à diminuer la température de fermentation. Et pensez également à expérimenter avec les taux d'inoculation, parce que ça peut parfois donner des résultats surprenants et très intéressants. Et maintenant, pour terminer, je vais vous présenter quelques méthodes que vous pouvez utiliser en pratique pour contrôler efficacement vos températures de fermentation. On va donc avoir trois méthodes différentes qui vous correspondent à trois budgets différents. Un budget à 0 euros, un budget à 40 euros et un budget à 100 euros. Alors allons-y pour le budget à 0 euros. Vous débutez en brassage amateur, vous avez déjà investi quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros dans du matos de brassage et vous vous dites que ça va bien comme ça. Vous allez débuter sans contrôler activement vos températures de fermentation et ça vous laissera le temps d'expérimenter avec d'autres paramètres. Pas de souci, vous avez tout à fait raison, c'est également comme ça que j'ai commencé. Dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir de moyen de contrôler activement votre température de fermentation. Le conseil que je vous donne, ça va donc être de trouver un endroit où vous allez pouvoir laisser vos fermenteurs pendant la durée de leur fermentation
Plus la température sera stable au cours du temps, mieux ça sera pour votre levure. Une fois que vous avez trouvé un endroit comme ça, vous pouvez y placer votre fermenteur et afin de limiter les fluctuations de la température dans votre milieu de fermentation qui seront causées par les fluctuations de la température ambiante dans l'endroit où vous placez votre fermenteur, ce que je vous conseille, c'est d'envelopper votre fermenteur dans quelque chose qui va l'isoler thermiquement. Donc par exemple, vous prenez une grosse couverture, un sac de couchage, de la mousse, quelque chose comme ça qui va limiter l'effet des fluctuations de température ambiante sur la température de votre milieu de fermentation. Avec ce genre de solution, vous serez bon pour vos premiers brassins. Ça vous laissera le temps d'expérimenter avec d'autres paramètres du processus de brassage, comme les ingrédients, les durées d'empâtage. Ça vous laissera le temps de vous familiariser avec le processus. Et lorsque vous vous sentirez prêt et que vous en aurez envie, vous pourrez très bien investir dans un petit peu plus de matos pour contrôler activement vos températures de fermentation. Ok, passons maintenant au budget de 40 euros. Si vous avez un petit peu de sous à investir pour contrôler activement vos températures de fermentation, la première chose que je vous conseille de vous procurer, ça va être un thermostat de type Inkbird par exemple. C'est ceux que j'utilise, je les trouve très fonctionnels et ils sont pas trop chers puisqu'on les trouve sur Amazon à 35-40 euros, quelque chose comme ça. Avec ce thermostat, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer la sonde de température contre la paroi de votre fermenteur. Donc ce que je fais, c'est que je place cette sonde de température en contact avec la paroi du fermenteur, avec par-dessus un matériau un petit peu isolant. Donc moi j'utilise un morceau de sopalin plié, mais ça pourrait être un morceau de mousse, un morceau de laine de roche, je sais pas. Et pour fixer tout ça, j'utilise tout simplement du gros scotch. Donc une fois que vous avez fait ça, votre thermostat il prend la température approximative de votre milieu de fermentation mesurée à la paroi de votre fermenteur. Sur ce thermostat, vous allez maintenant pouvoir brancher une source de chaleur, ce qui va vous permettre de corriger à la hausse la température de votre milieu de fermentation lorsqu'elle descendra trop bas par rapport à la valeur que vous aurez choisie. Donc vous voyez que cette solution n'aura d'intérêt que si votre température de fermentation a tendance à descendre trop bas par rapport à la valeur souhaitée. Comme source de chaleur, vous pourrez par exemple utiliser un radiateur électrique que vous possédez peut-être déjà chez vous. Dans ce cas-là, vous allez simplement placer ce radiateur dans la pièce où vous aurez placé votre fermenteur et le brancher sur le thermostat qui viendra prendre l'information de la température à la paroi de votre fermenteur. D'autres sources de chaleur que vous pourriez utiliser, ça serait par exemple un sèche-cheveux ou une ampoule à incandescence. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de placer votre fermenteur dans une boîte qui sera un petit peu isolée thermiquement. Par exemple, un grand carton sur lequel vous serez venu placer des morceaux de polystyrène ou de mousse sur les parois pour l'isoler un petit peu. Vous allez placer vos sources de chaleur à l'intérieur du carton ainsi que le thermostat avec la sonde de température qui viendra prendre la température en surface de votre fermenteur et ça vous permettra de réguler la température de fermentation à la hausse comme vous pouvez le faire avec un radiateur électrique dans la pièce où vous placez votre fermenteur. Alors faites quand même bien attention au risque d'incendie lorsque vous faites ce genre de bricolage. Notamment, assurez-vous bien que la source de chaleur que vous utilisez ne soit pas en contact avec quoi que ce soit qui pourrait éventuellement prendre feu. Et faites aussi bien attention lorsque vous utilisez par exemple des choses comme des sèche-cheveux, de prendre des appareils qui sont bien aux normes françaises ou européennes. Prenez bien des sèche-cheveux qui ont un système d'arrêt automatique en cas de surchauffe. Voilà, donc n'allez pas prendre le premier sèche-cheveux à 5 euros sur Amazon pour faire ce genre de choses. C'est des appareils qui vont fonctionner pendant votre absence, donc ne déconnez pas avec ça, le risque d'incendie est réel. Voilà, et une dernière petite chose, si vous voulez rajouter un petit peu d'argent sur ce budget à 40 euros, je crois qu'il existe sur des sites de matos de brassage amateur des petits systèmes chauffants, donc ça va être des petits tapis sur lesquels vous pouvez poser votre fermenteur et qui vont le chauffer un petit peu, ou des systèmes qui vont se placer par exemple autour d'un seau que vous utiliseriez comme fermenteur et qui vont également produire de la chaleur. Voilà, donc c'est des trucs que j'ai jamais testé personnellement, donc je peux pas vous donner mon avis là-dessus, mais si vous regardez cette vidéo et que vous êtes amené à tester ce genre de système, bah, je vous invite à nous raconter ça dans les commentaires. Alors pour terminer, je vais maintenant vous présenter la solution qui pour moi est la plus complète et la plus pratique. C'est la solution du budget à 100 euros. Avec cette solution, vous allez pouvoir contrôler votre température de fermentation à la hausse et à la baisse. Et ça va donc vous permettre de maîtriser parfaitement cette variable. Pour cela, il va vous falloir premièrement un réfrigérateur qui soit suffisamment grand pour accueillir votre fermenteur. Donc vous pouvez en trouver relativement facilement, par exemple sur des sites comme Le Bon Coin, des trucs comme ça, vous trouverez des frigos d'occasion pour une cinquantaine d'euros et vous pouvez même l'avoir gratuitement. Moi j'en ai eu un gratuitement là très récemment en allant consulter des annonces sur un site de dons, voilà, où les gens donnent des choses dont ils n'ont plus l'utilité.
Voilà. En plus de ce réfrigérateur, ben, vous allez également avoir besoin d'un thermostat de type Inkbird, comme je vous en parlais un petit peu plus tôt. Donc ça va vous coûter à peu près 35 euros. Et enfin, vous allez avoir besoin d'une source de chaleur, donc par exemple sèche-cheveux ou ampoule à incandescence ou d'autres sources de chaleur alternatives. Et encore une fois, à ce propos, faites bien attention au risque d'incendie. Donc la configuration est très simple. Vous allez commencer par vider toutes les étagères, tous les machins qui se trouvent dans votre frigo. Vous n'en aurez pas besoin. Vous allez installer à la base de votre frigo une espèce de planche que vous allez découper pour pouvoir y poser votre fermenteur de manière stable. Vous allez venir installer dans votre frigo votre source de chaleur. Donc moi, par exemple, j'utilise des sèche-cheveux. Je les place en général en dessous de la planche où j'ai posé le fermenteur. Pourquoi je les place en dessous? Et bien, tout simplement parce que l'air chaud a tendance à monter. Donc quand le sèche-cheveux fonctionne, l'air chaud va se propager a priori dans tout le volume intérieur du réfrigérateur et donc chauffer mon fermenteur de manière homogène. Et pour terminer, vous allez venir placer la sonde de température de votre thermostat en contact avec la paroi de votre fermenteur et vous allez pouvoir brancher votre frigo ainsi que votre source de chaleur sur votre thermostat qui va donc contrôler la température de votre milieu de fermentation à la valeur que vous lui aurez spécifiée. Donc si la température du milieu de fermentation passe au-dessus de la valeur spécifiée, votre frigo va être mis en marche par le thermostat, ça va donc faire redescendre cette température. Et si la température descend trop par rapport à la valeur spécifiée, votre source de chaleur va être mise en marche par le thermostat, ce qui va permettre de faire remonter cette température, tout simplement. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, un pouce rouge si vous avez vraiment trouvé cette vidéo insupportable. Et surtout, n'hésitez pas à participer dans la section commentaires, posez-moi vos questions, faites-moi part de vos critiques constructives, etc., etc. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortiront prochainement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bricole Brassicole. Salut!